Je suis pire que choqué. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Tu vois bien, il n'y a pas de fond vert. Je suis chez moi. Le rappeur Young Dolph est décédé. Il y en a peut-être qui ne le connaissent pas en France. Ça fait longtemps qu'il est dans le rap game. Je l'ai connu vers les années 2013-2014, en même temps que j'écoutais Gucci Mane. Et le fait d'apprendre qu'il est décédé cet après-midi, la vérité, ça m'a fait un choc. En plus, j'en parlais il n'y a pas longtemps de Young Dolph, comme quoi qu'il était en clash avec Soulja Boy. Enfin, c'est plus Soulja Boy qui le clashait, tu vois. Young Dolph, je pense qu'ils sont fous. Soulja Boy s'en était aussi pris à Key Glock. Enfin bref, c'est pas ça le plus important. Je vais vous parler en détail de sa mort. Ça fait trop bizarre de dire ça. Et je vous jure que la news, elle est récente. Tu vas sur Google, tu sais, sur Wikipédia, ça n'a même pas encore été mis à jour, comme quoi qu'il est décédé. Plusieurs sources ont confirmé à pas mal de médias que Young Dolph a bien été décédé par balle à Memphis cet après-midi. Il y a déjà pas mal de médias américains qui en parlent. Donc, ce n'est pas une rumeur, il est vraiment décédé. La fusillade a eu lieu devant un magasin et le propriétaire du magasin, Maurice Hill, avait déclaré que Young Dolph était entré dans le magasin pour acheter des cookies. Et par la suite, il y a quelqu'un qui est arrivé en voiture et qui l'a tué par balle vers les alentours de 13h. Voilà ce qui est dit en ce moment dans pas mal de médias. Tout ce que j'ai à dire, c'est Rest in Peace. Gros, ça fait trop bizarre. Young Dolph est décédé. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.